Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une petite recette dans la catégorie que faire avec des restes. Et là, c'est que faire avec un reste de riz que j'avais cuit tout simplement dans l'autocuiseur et j'avais pas mis de curcuma pour que ça fasse du riz jaune, j'ai laissé du riz blanc. Donc, je vous montre un petit peu les ingrédients. C'est pas seulement avec un reste de riz. C'est aussi avec un reste de pommes de terre en boîte, des champignons en boîte. Enfin, je vais vous expliquer tout ça quand je vais vous montrer. Voilà, du coup, les ingrédients, il me restait un peu de riz, hein, voilà, dans un tupperware. Il me restait à peine la moitié d'une boîte de champignons et la moitié d'une boîte de petites pommes de terre. Il vous faut des lardons, un petit pot de crème. Donc, c'est pas obligé que ce soit la crème liquide, ça peut être la crème épaisse. Une échalote, de préférence, plutôt grosse. Et ensuite, des assaisonnements style sel, poivre. Enfin, quoique le sel, si je vais en mettre un tout petit peu, même si je mets des lardons qui sont déjà salés. Parce qu'une fois mélangé avec tous les ingrédients, il n'y aura peut-être pas assez de sel. Alors, pour la recette, je fais d'abord revenir les lardons. Dès que ça a pris de la couleur, j'ajoute l'échalote, je mélange bien. Je n'enlève pas l'huile, je vais ensuite ajouter les pommes de terre et les champignons. Et au tout dernier moment, le riz et la crème et les épices. Je vous montrerai tout ça quand ce sera fait. Alors voilà ce que ça donne une fois que j'ai ajouté la crème et le riz. J'ai simplement mis un peu de curcuma pour que ça fasse une jolie couleur. J'ai mis un tout petit peu de sel, j'ai mis du poivre et du thym. Tout simplement. Et j'ai mis le feu, j'ai baissé le feu à fond. On va laisser cuire un petit peu comme ça. Je peux vous dire, j'ai déjà goûté, c'est super bon. Voilà pour la recette. C'est rapide, vite fait. On se retrouve pour une prochaine recette bientôt. En attendant, je vous souhaite un bon appétit.